Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour la nouvelle édition de On en parle ou pas, l'émission consacrée à la branche e-sport des jeux de combat. Alors, dès à présent, on se retrouvera chaque semaine pour des émissions d'une durée maximale de 30 minutes et, comme d'habitude, seront consacrées à la baston compétitive. Comme toujours, nous sommes accompagnés de Will2Pack. Salut tout le monde. De Drus. Salut les gamers. Et nous avons les invités Ultraiox. Hey. Et Quonkster. Yo. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle édition, nous allons parler de Street Fighter V, jeu de baston de chez Capcom, exclusif PlayStation 4 et PC. Comme vous le savez, le jeu a été annoncé lors des finales Capcom Pro Tour 2014. Et durant les 6 mois qui ont suivi, nous avons appris la présence de nouveaux personnages, Dictateur, Nash, qui d'autre, Birdie et Camille. Et en plus de cela, nous avons appris également l'existence de nouvelles arènes de combat. Entre autres, la Nouvelle-Zélande, le Brésil et super, le mode, le stage d'entraînement. Perso, j'en avais pas besoin. Ensuite, j'ai envie de vous dire que toute la planète entière a pu essayer le jeu avant nous, la France. Et par chance, c'est grâce à la motivation du community manager Capcom France, Street Fighter V était jouable à la Japan Expo, qui a eu lieu début juillet, justement. Et parmi nous, certains ont pu essayer le jeu, voire même le poncer bien comme il faut. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous sommes nombreux aujourd'hui, pour justement essayer d'obtenir les impressions d'un maximum de personnes. Alors messieurs, à quelle version de Street Fighter V vous avez pu jouer justement à la Japan Expo? Est-ce que c'était la version de l'E3 ou avec quelques petits changements? Il y avait qui comme perso jouable? Je vous laisse me dire tout ça. Allez, je vais commencer comme je pense que c'est moi qui ai le moins joué, donc ça sera plus rapide. Donc moi j'ai pu tester le jeu à la version, c'était la version avec les combien de persos, les 6 ou 7, je sais plus. Donc il y avait Birdie et Camille. Birdie et Camille étaient présents avec le stage de l'Angleterre. Le premier truc moi qui m'a sauté aux yeux, c'est le fait quand on joue, on a l'impression que le jeu est un peu plus rapide que quand on le regarde. Le jeu, quand on le regarde, on regarde les vidéos sur le net, on a l'impression d'une petite lourdeur. Mais là, j'ai vraiment trouvé le jeu plutôt rapide pour moi. Après, j'ai pas fait beaucoup de parties, j'en ai fait qu'une malheureusement parce que j'ai joué samedi et il fallait quand tu faisais la queue, une fois que tu avais fini la queue, tu avais le droit à une partie et puis tu partais. Donc, c'était un petit peu chaudard et comme j'étais occupé toute la journée à commenter Mortal Kombat Cup à côté, j'ai pas pu aller sur la scène, j'ai pas pu faire le petit tournoi alors que j'étais inscrit. Mais par la Cassie aussi. Hein. Pardon ? J'étais occupé par la Cassie aussi. Ouais, voilà. Il y a du dossier. Il y avait une Cassie Cage plutôt sympathique. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que le samedi, tu faisais la queue pendant une heure pour jouer à Street Fighter V, mais tu n'avais pas. Non, pas pendant une heure. La queue était pas ouf de ouf. Hein. Ça, et justement, ça tournait très très vite. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais pu refaire la queue, repasser, ainsi de suite. Mais c'était une seule partie. Voilà, la queue, il y en avait pour quoi 10 minutes, un quart d'heure, grand max. C'est déjà pas mal. Ouais, c'était... 10 c'était... minutes, un quart d'heure quand t'es un drogué, je te jure, c'est long. Non, mais c'est horrible. Et puis tu joues, t'es mis avec quelqu'un, que ça se trouve, il s'en fout, que tu lui demandes de tester les trucs, il arrive avec son Ryu, waouh, il saute dessus, gros pied, dragon et compagnie. Après, si tu passes avec un pote, tu pouvais demander à jouer avec, avec ton pote et attendre qu'il y ait un poste libre à deux places. D'accord. Et c'était... Par contre, il n'y avait que des manettes pour tester, il n'y avait pas de stick. Ah bon? Donc, c'était... pas ouf ça, mais bon, c'était j'ai vu des sticks sur les scènes, sur les photos, sur les scènes, sur les scènes, il y avait un stick, mais pour tester pour le public, c'était que des manettes. Stick. Moi, je sais pas. Je pense qu'il y en a qui jouent à deux sticks sur la scène. Je crois que Yox et Ken Bogart on joue à deux sticks. J'ai même vu Kong après jouer. Et un autre truc aussi qui m'a marqué dans le jeu, c'est quand on fait des light punch en hit, on peut carrément pas en mettre beaucoup. Au début, je crois que à Street, on est habitué genre balai, stand light, et tu cancel ton coup en stand. Ok. Et le troisième hit, les trois quarts du temps, il passe pas parce que en fait, le perso se recule
se recule bizarrement ou la portée des lights est plus courte. J'ai pas réussi à déterminer, mais il y avait un truc un peu. J'avais pas l'impression que la portée des coups était vraiment longue. Moi, c'est le sentiment D'accord. que j'ai eu. Après, c'est tout ce que je peux dire. Bon, après, en une partie, c'est chaud, quoi. Okay. Et j'ai joué birdie. Toi, est-ce que toi, Will to Pack, tu es allé faire un tour à la Japan Expo pour tester Street 5? Non, malheureusement, je pouvais pas. Je bossais. Ouais. Et puis d'aller le samedi à Japan Expo, faut avoir du courage. Ouais, j'avoue. Surtout que samedi, il faisait super méga chaud. D'accord. Donc, non, je suis resté à la maison. Ok. Et toi, Ultraiox, est-ce que tu as pu tester le jeu? Ah, mais mon gars, je crois que jeudi, c'était le meilleur jour de ma vie. Ah ouais, sérieux? Non, mais dans le sens où il n'y avait pas beaucoup de personnes. Ouais. J'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. Tout. J'ai accompagné avec Piccolo, là, et on était à deux, en train de tester. Et dès qu'il y en avait un qui nous cassait les couilles parce qu'il voulait jouer, on le laissait jouer, on le défonçait, et puis après on rejouait. Et vous jouez sur les bandes avec la manette, là, avec les manettes. Ouais, mais bon, ouais. Bon, heureusement que j'ai joué à la Super Nintendo, hein, Street Fighter 2, donc ça aide. Hein, mais ça a été. Mais j'avoue, j'ai fait un peu la gueule sur le coup. J'ai fait, oh putain, la manette, oh là 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 là. Mais bon, pour l'instant, voilà, j'ai surtout joué Chun-Li, ça n'a pas été trop compliqué, quoi. Ouais, j'imagine, ouais. Comment a été la prise en main pour toi du jeu? T'as senti que les personnages étaient un peu lourds? T'as trouvé le jeu beau? Dis-nous. Bien, très bien. J'ai pas eu de malaise, tu sais, comme tu dis, de lourdeur ou... Non. C'est ce que je me disais, tu sais, quand je suis parti à la Japan Expo, je sais pas pourquoi le jeu, j'ai l'impression de l'avoir déjà joué. Et après, bon, c'est après que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, ça se rapproche beaucoup plus à The Street Fighter 3 dans la manière de se déplacer, dans les mouvements. Après, le fait d'avoir joué Chun-Li, je me suis beaucoup retrouvé aussi. Mmh. Et les stages, bah, ils sont beaux. Les bonhommes aussi, ils sont beaux. Mais après, c'est comment on dit les personnages là, qui sont au fond, dans le background, là Ouais, les PNJ, les personnages non jouables. Ouais, voilà. Bah, je les ai pas trouvés... coordonnées avec les décors. C'est-à-dire t'as vu les personnages dans Street Fighter 4? Ouais. Ceux qui sont dans le background, là. Ouais. Bah, pour moi, c'est les mêmes que tu mets dans Street 5. Ah oui, d'accord, ok. Ils ont fait un simple copier-coller avec les PNJ que tu retrouves dans Street Fighter 4. C'est des Sims, quoi. T'as l'impression de voir des Sims avec très peu de polygones par rapport à ton personnage jouable. Voilà, ouais, il y a un décalage entre les persos du décor et les persos que tu joues, hein. Mais sinon, je crois que le personnage où j'arrêtais pas de bugger, c'est quand Camille a gagné, je regardais un endroit de son corps, je faisais... Ouais, voici sur YouTube, je me suis dit, il y a un problème quelque part, ouais, effectivement. Ouais. Même quand tu la sélectionnes, hein, cet endroit est très agréable. Non mais c'est la première fois que ça me fait ça dans un jeu de combat, comme ça je fais, oh mon dieu. Ah, d'accord. Ah, la technologie, tout ça... et t'as senti le jeu plus rapide comme disait Drus ou Ouais mais bien sûr ça a rien à voir. Mais de toute façon je m'attendais pas au contraire. Hein. Mmh. Non mais le jeu en termes de rapidité, rien à dire. D'accord. Très bien. Tu sais que la première fois que Capcom a présenté Street 5, le jeu a été vivement critiqué justement sur sa vitesse assez lente, j'ai envie de te dire. Bah bien sûr, mais c'était la première fois. Même moi dès que j'ai vu ça, je fais. Y a même pas besoin de parler, le jeu ils vont le changer. C'est bon, on va même là ce qu'il y a eu à Japan Expo, tranquille. Ouais, ça reste une bêta, ça sort en février l'année prochaine. Il y a le temps encore. Hein. Et même si quand le jeu sortira, il y aura des mises à jour, donc je pense que Capcom ils vont être à l'affût de ce que les joueurs vont dire. Hein. D'accord. Et toi, Conkster, est-ce que t'as pu tester le jeu? Alors, j'ai testé le jeu en fait en faisant le tournoi avec Ken Bogard là. Ouais. Et après, en fait, après le tournoi, on a fait du free play avec JPK, avec Ken et avec le community manager anglais là, Bell Matthew. Ouais. Et en fait, j'ai testé tous les persos à part Chun-Li. Ok. J'ai joué, franchement, j'ai dû bien jouer quand même une bonne heure hein, en tournoi avec JPK et. Voilà, et en fait, c'est bizarre, mais ouais, en fait, ça ressemble pas du tout à Street 4. Et je pense que c'est pour ça que en fait, j'ai un peu buggé au début. J'ai pas vraiment trouvé les timings pour faire des combos.
j'ai l'impression en fait on est revenu encore plus, tu vois, dans ça ressemble en fait ça, pour moi ça ressemble à Street Fighter 2 en fait. Ça ressemble à Street Fighter 2. C'est bizarre, mais en fait, ouais, en fait, au niveau, tu sais, des impacts, des déplacements, des sauts, pour moi, c'est vraiment très, très brut. Tu sais, ça, ouais, comme dit Yok, ça ressemble un peu au jeu à l'ancienne, ça ressemble un peu à First Fight comme ça. Parce que quand tu marches vers l'avant, par exemple, tous les persos sont lents. Même Camille, je la trouve pas super rapide, quoi. Dictator, c'est carrément, c'est un tank, quoi. Il se pose, il peut que avancer en dashant, tu vois, mais quand il marche, il fait un pixel à chaque fois. D'accord. Et en fait, moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est au niveau des combos. Alors, j'arrivais à rien faire. Je jouais Ryu, mon seul combo, c'était saut cross-up MK, temps de moyen, boule. Tout ce que je savais faire. GG. Et même moi, avec Ryu, je faisais bas LK, stand LP, oui, bas LK, stand LP, bas MK, et puis genre Tatsu ou boule, tu vois, pareil. C'est le seul truc que je savais faire. Et Birdie, pareil, Birdie, tu sais que des combos avec des lights. Nash, bon, il a des Gatling, ça par contre c'est sympa. Mais à part ça, j'ai pas trop compris les combos non plus. Il y avait tout d'autres. Ouais, j'ai joué Camille, alors là, Camille, j'ai rien. Le perso a totalement changé, elle a plus du tout ses footies, donc le stand gros pied, c'est plus du tout le même. Le seul coup qui ressemble à Street 4, c'est le BAMK. C'est le seul coup qui ressemble un petit peu à Street 4. Tout le reste, tu peux oublier. Hein. Même les canons strike, c'est plus du tout la même sensation. Tu as beaucoup de mal à linker des coups. Après, en fait, dès que je faisais canon strike, j'ai jamais réussi à linker un seul coup. Donc, je trouvais ça trop bizarre. Elle a toujours stand gros point, cancel spécial. Le coup où elle fait demi arrière point, où elle tourne sur elle-même et puis elle traverse les boules. Ouais. Enfin, en fait, ça, c'est son V-Trigger, en fait. C'est son V-Trigger. C'est son V-Skill. V-Skill. V-Skill, voilà. Ça, c'est son V-Skill. Et en fait, ça, quand tu le fais près du mec, ça fait cross-down. Elle passe de l'autre côté. De l'autre côté, ouais. Ouais, elle passe de l'autre côté, ouais, cross-down. Et... Ouais, mais en fait, ouais, je pense que c'est parce que je connais pas les combos, je connais pas ce qu'il faut linker, pas linker. Mais c'est vrai qu'au bout d'une heure, bah, en fait, je me suis ennuyé parce que j'arrivais à rien faire. J'arrivais à rien faire, je jouais un vieux Ryu à l'ancienne. J'ai juste kiffé, en fait, les animations, les nouveaux graphismes. Mais au niveau du gameplay, en fait, j'étais vraiment gêné parce que j'avais pas du tout les mêmes footies. Et j'avais l'impression que, à part Chun-Li, tous les persos n'avaient pas d'allonge. C'était un truc de fou. Ils ont pas d'allonge, les persos, j'ai l'impression. Par exemple, Dictator, son coup le plus long, si je me trompe, c'était le stand MK. Et encore, ça n'a rien à voir avec la range d'un stand MK dans Street 4. Si tu prends relativement, en comparatif, la taille des persos, moi, ça m'a halluciné. Pareil, Nash, il n'a pas d'allonge. Faut changer tout son placement de foot 6, son zoning, on aura le droit d'être plus proche. Ouais, voilà, ça m'a perturbé, mais après, je pense que c'est une question d'adaptation. Il faut jouer au jeu autrement. Quoi. Mais en tout cas, oui, le jeu, il va clairement se jouer différemment de Street 4. Ça va être dangereux. Et est-ce que, parce que là, au vu de ce que tu me dis, est-ce que tu penses que, parce que là, on est clairement dans une situation Street Fighter 2, Street Fighter 3, où de ce que tu me dis, t'avais plus aucun repère sur Street 5. Pour moi, franchement, le jeu a vraiment changé de Street 4. C'est pas du tout le même jeu. Ah ouais, et les gens qui étaient forts à Street 4, c'est mort. Hein, genre, tout réapprendre. Tout le même jeu, ça n'a rien à voir. Les skills avec la dynamique des V-Trigger, il va y avoir des choses. Par exemple, Nash, tu vois, il peut quasiment te tuer s'il a le V-Trigger, il a super. Parce qu'en fait, il lance une boule, il fait V-Trigger, il active le V-Trigger. En fait, l'activation du V-Trigger, en fait, il passe carrément derrière ton dos. Et c'est super rapide, tu vois. Si t'es pas préparé, tu vas te manger cross-down et tu vas manger le cancel super et tu vas bouffer la moitié de ta barre, tu vois. D'accord. Après, honnêtement, je pense que dans la bêta auquel j'ai joué, honnêtement, j'avais l'impression que les persos n'avaient pas tous leurs combos, n'avaient pas tous leurs links, ils n'avaient pas tout en fait. Tu vois. Okay. Genre Ryu, je suis désolé, mais si Ryu il a les combos qu'il a, il va servir à rien. Quoi. Il a quasiment pas de combos. Pareil avec Camille, j'ai réussi à rien faire. J'avais l'impression que c'était pas la version entière des persos, qu'il y avait encore des trucs en fait, peut-être qu'ils vont rajouter ou des frames data qui vont modifier pour pouvoir faire des combos, mais en tout cas, j'arrivais pas à faire un peu, donc je suis un peu frustré. Ok, mais est-ce que
justement, ce passage à une autre ère de Street Fighter ne va pas effrayer justement les joueurs de Street 4 ? Est-ce que... Non, parce que tu sais, ça reste un... En fait, ils ont voulu encore plus rendre le jeu accessible, tu vois. Donc, t'as quasiment plus de... Ben, en fait, il n'y a plus de paylink déjà. Ouais. C'est ce que m'a dit Ken, ils ont essayé et tout, il n'y a plus de paylink. Apparemment, c'est genre produisant des paylinks automatiques, mais j'ai pas trop compris le délire. Et tout ce qui est les trucs que tu link, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile. C'est vraiment beaucoup plus new-friendly. Genre, tu mâches le bouton, ça va linker, tu vois. Ouais, t'as une grosse fenêtre, quoi. Ouais, t'as une grosse fenêtre à l'effet de bâtard. Genre, stand moyen avec Ryu, c'était super facile. C'était vraiment super facile. Je faisais encore le paylink, mais on m'a dit que ça servait à rien. Mais tu sais, par effet, je le faisais, mais c'est super facile. Et les coups font tellement mal qu'en fait. Ouais, les barres de vie par contre. En fait, tu peux gagner en faisant 2-3, enfin en faisant 2 EX et un combo, tu peux gagner en fait. T'as quasiment tué le mec en fait. Ça, c'est pas très... Alors pareil, je sais pas si. Évidemment, on sait pas s'ils vont corriger les dégâts au tas ou pas. Mais par exemple, Ryu, il fait le gros Shoryu dans ta gueule. Ça fait, je sais pas, ça doit faire facile, sans déconner, ça doit faire facile 20% quoi. Ouais, ça fait super mal. Facile, ça fait pas... Et en plus, après, quand il en V-Trigger, oh mon dieu, j'ai fait gros short en V-Trigger, le mec il a perdu 30% de sa barre. Il y a un tiers quand même, hein, c'est pas mal. Ah ouais, j'ai halluciné. Et Bison, il veut rien dire. Oui. Il veut rien dire. Il fait Stomp EX, tu te le manges, tu manges 30% de la barre direct. Tout simplement, Stomp EX, c'est 30% de la barre. D'accord. Pas mal, effectivement. Et j'ai discuté avec les Anglais, avec RMZ sur WhatsApp, et il m'a dit les Anglais qui ont pu tester le jeu avant nous, et ben, pour l'instant, pour eux, le perso le plus craqué, c'est Dictator. Hein. Ils ont trouvé des setups et tout avec lui, c'est violent. Et c'est ce que pensent les Américains aussi. Le stomp, il veut rien dire. Le stomp, des fois, il est devant, des fois, il est derrière. Ouais, moi aussi, j'ai le même problème. Ouais, mais ça veut rien dire. Ouais, mais pas, en fait, devant ou derrière. Il s'envole, hein. Comme ça, il s'envole, il te tape sur la tête et des fois ça va être cross-up. Bah fais focus. Pari. Ouais. Mais en fait le pari, il parie pas les coups qui sont dans ton dos. Ah, donc, que je me le prends les coups. Bah non, le pari il est devant, il est que sur les coups devant. D'accord, c'est GG ça. Donc en fait, soit tu l'évites le stomp, soit t'es dans un mind game, une chance sur deux qui veut rien dire. D'accord. Ouais. En fait, il faut que tu times bien ton... Comment ça s'appelle déjà, le V-Skill ? Au dernier moment du stomp. Ouais, ouais. Avec Nash. Mais bon, tu vas pas utiliser skill pour esquiver un stomp, allô. Et j'ai... Alors, pareil, c'est peut-être parce que c'est par rapport au perso que j'ai eu mais en tout cas, tout ce qui est genre, tu sais, quand tu fais light, link, medium, j'ai l'impression que ça marche pas, en fait. D'accord. Light, kick, medium, d'accord. Ouais, soit c'est genre juste vraiment genre les stand light tout crunch medium, mais en tout cas par exemple avec Ryu tu peux pas faire bas faible bas faible bas moyen avec Dictator, tu peux pas faire bas faible bas moyen, tu vois, ça existe pas en fait, ça marche pas. Je sais pas si Yox t'as pu tester ce genre de truc, mais moi j'ai pas réussi en tout cas. J'ai pas entendu bas en fait tu light, peux pas light, faire... medium. Ouais, tu peux pas faire bas light, mais bas medium, tu vois. Ouais. Avec Ryu, j'ai pas réussi. Avec Dictator, j'ai pas réussi. Avec Camille, j'ai pas réussi. Juste avec Nash, je faisais des Gatling. Mais les Gatling, c'est des trucs préprogrammés, donc. Mais avec Birdie, on peut faire bas light, mais stand medium. Pas voilà. Des trucs, avec Ryu aussi, ouais. Mais en fait, ouais, j'ai l'impression, si tu veux, qu'ils ont encore plus simplifié le système de jeu. Ils ont plus mis la patate sur les graphismes, sur les effets spéciaux. Et donc, si tu veux, le jeu va vraiment se jouer différemment. Ce sera pas du tout comme dans Street 4. C'est vraiment bien. C'est bien. Parce que, je sais pas pour vous, mais moi, pour Street 4, j'ai besoin de changement. Ça fait pas mal de temps qu'on joue dessus, on a kiffé le jeu. Mais ces derniers temps, depuis qu'on voit la bêta Street 5, pour moi, c'est ultra dur de revenir sur le jeu. Sur quoi ? Sur Street 4 ou... Sur Street 4, ouais. Ah, moi aussi, depuis le 1. Mais non, arrête de dire des conneries, t'as eu des périodes où tu saignais le jeu. Bah oui, parce que je m'ennuyais. Ouais, bah... Pareil, je pense... Tu l'as saigné. Vas-y, J'ai aussi remarqué un truc, alors je sais pas si Yox t'as eu la même sensation, mais les shops, j'ai l'impression qu'elles ont beaucoup moins de range. Elles ont vraiment beaucoup moins de range. J'ai entendu parler de ça, effectivement, ouais. Franchement, par exemple, tu sais, je faisais genre bas light avec Ryu, et puis après j'essayais de choper, et j'étais tout le temps soit out of range, soit le mec il me bourrait un coup avant, tu vois, donc...
Déjà, les lights, beaucoup moins prioritaire, en fait. T'as beaucoup moins la priorité derrière les lights en bloc. Et je pense que les shops doivent choper un peu moins loin. Moi, l'explication de par rapport à ça, c'est qu'on s'est rendu compte que quand on faisait bas petit point shop, je voyais que j'étais pas à distance. Ouais. Donc après, à un moment, j'ai testé bas petit point, et après, il a fallu que je fasse cara shop à la manette avec Chun-Li. Elle a la cara shop, Chun-Li. Ouais, tu fais avant moyen point. Avant moyen point, shop. Ah ouais, ouais. Bon à aussi, savoir. T'as aussi cara shop en arrière, mais ça sert à rien. Ça fait la même animation. Arrière moyen point, mais ça te fait reculer en arrière en faisant un shop. D'accord. Ouais, pareil, tout ce qui est les coups, entre guillemets, les gros coups, tu vois, les gros points, les gros pieds, ils font super mal. Ils font vraiment très, très mal à la barre. Avec Ryu, tu fais saut gros pied, stand gros point, Shoryu, t'as détruit le mec, quoi. Tu l'as quasiment enlevé. Tu l'as brisé quasiment la moitié de la barre, ça fait trop, trop mal. Donc, je pense que. Ils vont avoir les dégâts, je pense. Vous pensez vraiment qu'ils vont avoir les dégâts ou peut-être justement dégâts, j'espère que non. Parce que si attends, moi d'un côté d'un croise ouverture tu bah, t'es bah, mort en fait. D'un bah côté ouais, ça le jeu se transforme en jeu offensif. Ça se transforme en Street 2. Ça se transforme en Street 2 aussi. Ou en Street 3. Les ouvertures, je pense que elles vont pas être si faciles à trouver que ça parce que les sauts sont relativement lents. Tu peux facilement les dragons. Ouais. Et tu sais vu que les coups en fait les coups ont pas beaucoup de range, en fait c'est dur de whiff finish les coups en fait. En tout cas, moi ce que j'avais essayé de faire, j'avais vraiment beaucoup de mal à whiff finish les coups. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils ont des recovery rapides ou pas mais j'avais l'impression que c'était très très dur de whiff finish. Moi je partage pas son point de vue. Bah après c'est parce que moi je jouais Chun-Li mais je voyais que moi avec le comment ça s'appelle les 1000 pieds de Chun-Li hein. Ouais, bah les 1000 pieds. Ouais, en ex, ouais, voilà, tu les fais en ex. Bah, franchement, t'as beaucoup de facilité à whiff punish. Hein. Après, avec le gros point, il est trop lent, je pouvais pas vraiment whiff punish. Et après, le bas moyen pied, j'ai pas assez joué au jeu, tu sais, pour jouer contre les gens et puis me familiariser pour arriver à bien whiff punish avec le bas moyen pied. Mais je pense que c'est pas le bas moyen pied de Sword Strike. Hein. Mais par contre, il est mieux que celui de Street 4, celui de Chun-Li. Ouais, vu que t'as beaucoup joué de Chun-Li, est-ce que t'as trouvé des confirmes, genre close, du moins gros point, tu vois, et tu confirmes avec le Critical Art? Ouais, tu fais arrière gros point, si tu vois que ça touche en hit, bah, tu cancel un coup spécial. Et t'as vraiment le temps du confirme à la 3.3? Ouais, même Piccolo, il était avec moi, il faisait « Ah ouais, t'as le temps ». Et confirmer ce que j'étais en train de lui dire. Je disais « Ouais, j'ai l'impression que ouais, je peux vraiment confirmer ». Sur les gros coups, tu peux confirmer en un hit? Bon, en tout cas, le arrière gros point. Après, il y a Ryu, je soupçonne peut-être le bas gros point que t'as peut-être le temps de confirmer aussi. Ça va voir. Mais ça, par contre, c'est à l'ancienne, tu vois. Ça, c'est des notions que les joueurs de C4 n'ont pas forcément. Je sais même pas si confirme aussi rapide. Bah, si tu vas l'avoir sur des délires, genre la clap du go, tu peux la cancel par la super et t'as vraiment le temps de confirmer, que ça bien le temps de voir si c'est en hit ou en garde. Ouais, c'est ça. Mais après, le bas moyen pied de super, tu sais, le bas moyen pied de Chun-Li en confirme, ça j'ai un gros doute. Je crois pas que ça passe. Hein. Pas le bas moyen pied, ouais. Ok. Non, je pense pas. Ouais, ce genre de truc, de toute façon, ça peut changer ou pas. C'est que la bêta. D'accord. Et qu'est-ce qui. Parce que je vous ai pas posé cette question, mais lorsque vous avez pris la manette pour la première fois, qu'est-ce qui vous a choqué le plus dans le jeu? Choqué? Choqué ou quel est l'ingrédient qui vous a fait dire ah ouais quand même le Kara Screen où il y a pas mon perso je sais pas non que le jeu était beau puis ouais, surtout franchement le jeu est vraiment beau t'as l'impression que les sprites en fait ils ont je sais pas comment dire ça mais ils ressortent vraiment du décor quoi les persos ont du charisme quoi. Ouais, ils se détachent vraiment en fait. Genre Birdie par exemple, t'as un fou qui est géant, tu vois, qui est vraiment énorme, qui va sortir de l'écran les mines quoi. C'est vraiment super bien fait. Les animations, hein, nickel. Surtout quand tu vois Ryu de Street 4 et Ryu de Street 5. Ouais. Ah, dis pareil enfin. En fait. C'est un peu pas la même console et pas la même puissance en même temps. Ouais, mais t'as vu la gueule de Ryu, comme des chèmes. Ouais, bah c'est ce que je suis en train de te dire. C'est pas la même console, c'est pas la même puissance. Et dans Street 3, Ryu est beau gosse. Ah ouais, vachement. Ah, grave, mon gars, bien sûr. Ah ouais, grave.
D'ailleurs, il y a une... Est-ce que, pour vous, le fait de ne pas pouvoir mourir à zéro vital avec un coup spécial dans la garde, est-ce que pour vous, c'est une chose qui est intéressante dans le jeu? Est-ce que c'est... Ça change tout. J'ai perdu un match comme ça, d'ailleurs, parce que le mec, il pouvait pas mourir zéro vital et ça m'a... Il veut pas mourir. ça m'a mindfuck, en fait, tu vois. Le mec, il est remonté. Non, franchement, ça change énormément de choses de pas mourir en face. Donc c'est une bonne chose. Ah, tu es obligé de jouer fer, en fait. Donc, tu es vraiment obligé de le toucher pour vraiment qu'il meure, quoi. Et donc, du coup, il n'y a pas de setup garanti. Il n'y a rien de garanti, quoi. Tu peux tout le temps revenir. C'est fini, c'est les cross tout dragon, t'es mort. Ouais. Mais c'est rare les jeux de baston quand tu regardes dans toute la panoplie des jeux de combat SNK, Capcom, Arc System. C'est vraiment rare les jeux de combat où tu peux pas mourir en gratte. Y a des exceptions dans Yox, t'avais pas trouvé un truc justement pour gratter quand même? C'est avec la Critical Arm, tu peux quand même gratter. Tu peux gratter qu'avec les super. Avec la super, ouais. Ouais, mais la super, tu la claques tellement dans le match entre les YEX. Oui, ça se charge bien ou pas au niveau des barres de super. Ça charge super vite, ouais, franchement, ça charge. Moi, franchement, j'ai joué, ça charge super. Quand tu manges des coups, quand tu donnes des coups, ça charge super. Et question, Yox. Yox, est-ce que tu as vu si tu pouvais charger ta barre de super en tapant dans le vide? Non. Mais par contre, il y a un détail, c'est que, tu sais, quand tu presses ton adversaire, ta barre de super, tu la fais grimper, mais la barre de super de l'adversaire aussi, tu la fais grimper, comme dans le Corp 13. Ça, c'est de la merde. Bah ouais, je crois que... Quand le mec il prend des coups en bloc, il augmente un peu sa barre de super, je crois. Ouais, mais par contre, moi... Moins que le mec qui attaque. Oui, voilà. Ah oui, non, mais ça va alors. Ouais, ah, non, d'accord. Par contre, quand il prend des coups en hit, il charge aussi sa barre de super. Ah, tu vois, ça c'est un détail que j'avais pas vu, mais bon. Ok. Et la barre de V-Trigger, elle se charge super vite. Franchement, elle se charge super vite. Et d'ailleurs, en parlant de V-Trigger, vous avez pu un peu... Parce que, bon, toi, Conkster, t'as joué une petite heure. Toi, Yox, tu as joué toute la journée. Tu t'es fait une un jour entier, le mec. Un jour entier. C'est l'homme qui a le plus d'OSG en France, Street 5. Après Ken Bogard. Après Ken Bogard. Parce que Ken Bogard, en dose... Est-ce que vous avez pu facilement assimiler, justement, ces V-Trigger? Le fait de est-ce que vous avez réussi à l'ajouter à votre jeu rapidement? Est-ce que c'est quelque chose qui s'assimile assez vite? Ou c'est quelque chose auquel vous avez dit putain c'est trop la galère, laisse tomber, j'apprendrai ça à la maison? Non, pas du tout, ça a été assez rapide. Le seul truc qui a été relou, c'était le fait de me concentrer que je jouais à la manette. Mais sinon, hormis la manette, non. J'avais déjà pensé à utiliser mon V-Trigger, mon V-Skill. Ouais. Mais après, voilà, avec Chun-Li, c'est simplement des combos. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Ouais, en fait, pareil, ouais, avec Chun-Li Ryu, c'est instinctif parce qu'en fait, dès que tu l'actives, tu sais ce que ça fait, tu deviens plus fort, c'est tout. Par contre, Nash, par exemple, c'est vraiment. C'est beaucoup plus stratégique parce que tu peux l'utiliser qu'une seule fois. Et tu sais qu'en fait le entre guillemets le moyen le plus rentable de l'utiliser c'est de balancer le Sonic Boom et de faire un crossdown avec, tu vois, crossdown avec le Sonic Boom et combo derrière. Donc il faut connaître la phase où tu vas le faire quand même. Tu peux pas le faire entre guillemets au pif. À part si tu le pifes pour sortir d'un pressing ou d'une connerie comme ça. Dictator, c'est pareil, c'est en fait tu le déclenches et puis il est en mode il peut se téléporter, donc tu balances quand tu veux. Mais Nash c'est moins instinctif, quoi. Birdie c'est pété, hein. Quand il est en V-Trigger, il fait trop mal. Rien dire, il fait trop mal. Et Armor. En plus il est Armor mode sur certains coups, c'est complètement fou. Hein. C'est safe. D'accord. Alors ensuite maintenant, pour terminer sur la Japan Expo, en gros, est-ce que ce Street Fighter V vous a emballé? Ouais, grave, moi je suis chaud, j'ai trop envie de l'avoir dans les mains là. J'espère avoir une clé bêta et doser fin août comme un porc. Même si apparemment on n'aura que entre environ 10 jours pour tester la bêta. 5 jours. 5 jours. Du 23 au 28 et c'est 5 jours. Online. Uniquement en ligne. Et lorsque tu joueras. En fait. Quand tu vas lancer le jeu sur ta PlayStation 4, automatiquement, bon, tu n'auras pas de cinématique, tu auras directement le pré-start Street Fighter 5 bêta version. Tu vas appuyer sur Start et immédiatement, tu te retrouveras dans le caractère Select Screen. Tu choisis ton personnage et tout de suite, on va t'amener dans le Training Stage, dans le mode entraînement. Mode entraînement. Tu feras ton petit mode entraînement et pendant que tu fais ton mode entraînement, le jeu va te chercher un adversaire. Une fois qu'il te trouve l'adversaire,
automatiquement tu te retrouves dans le versus. Ah, c'est du online en plus. Ouais. Mais c'est une fois que tu finis ton match, automatiquement tu rebascules dans le mode entraînement. C'est-à-dire que pendant que tu joues, tu ne pourras jamais revenir dans le caractère select screen. Waouh. Ok. Et tu pourras pas t'entraîner autant que tu peux. Et tu pourras pas faire de versus avec un pote à côté. Non, online uniquement. C'est une honte. Tu pourras pas faire du VS local en fait. Non, pas de VS local, pas de versus local, et le mode d'entraînement, ce sera pas infini parce que automatiquement le jeu te cherchera un adversaire. Sauf si tu joues à 6h du matin, il y a personne. Merci. Tu le mode d'entraînement. T'as pensé comme moi. Je pense qu'il y aura du monde à toutes les heures, hein. Faut pas se leurrer. Hein. Moi perso, si j'ai une clé bêta, je ne dormirai que 2 heures par jour. Je ne ferai que jouer. Je suis en vacances à ce moment-là. Je reviens déjà du sud. Je suis prêt à avoir une clé là. Et toi donc, ouais. Conkster, est-ce que le jeu t'a emballé? Bah honnêtement, franchement, c'est vrai que j'avoue que après l'heure de jeu, honnêtement, je m'ennuyais. Parce que tu sais, moi j'aime bien être carré. Ouais, j'étais frustré parce que je trouvais pas de combo, je savais pas trop comment jouer, donc ça me frustrait un petit peu. Mais ouais, j'espère pouvoir découvrir d'autres trucs. Mais après, bon, je t'avoue que les persos qui sont dans la bêta, moi ils me font pas rêver quoi. Ouais, d'accord. Le Ryu de base, Chun-Li, bon, Nash à la limite. Mais voilà, j'avais envie de voir des persos un peu genre qui viennent d'Alpha ou de First Fight, ou style Karin, Yoon. Des persos plus exotiques quoi, tu vois. D'accord. Donc on va voir. Et toi Yox, est-ce que le jeu t'a emballé? Sur l'instant non. D'accord. Parce que j'avais une impression de déjà vu. Okay. Ah, déjà vu. Et après je me suis dit, en fait le jeu c'est Street Fighter 3-0. C'est Street Fighter 3 sans le bloc. D'accord. Avec Chun-Li et les autres persos, je savais pas trop quoi faire de plus. Surtout avec Chun-Li, il y a un moment, je faisais bon, là j'ai envie de jouer, mais tu sais, j'ai envie de jouer sérieusement, mais je peux pas. Les gens ils sont en train d'apprendre à connaître le jeu. J'ai fait bon, je me casse, je suis parti, j'avais plus rien à faire de plus, tu vois. Je sais faire plus ou moins tous les combos de Chun-Li de ce que j'ai pu voir sur YouTube, mais sinon. D'accord. Ok. Donc toi, Will Tupac, bon, tu as pas pu tester le jeu, hein, à part sur YouTube en 60 FPS, hein, bien sûr, avec ta connexion Internet, c'est-à-dire la fibre. Sinon, on va terminer sur quelque chose, sur les récentes annonces de Street Fighter V. Je vous expliquerai rapidement comment fonctionnerait la bêta. Vous allez, si vous êtes sélectionné, vous allez recevoir par mail au plus tard le 24 une clé bêta enregistrée sur votre PS4 pour pouvoir télécharger le jeu, tout ça, 5 jours non-stop, machin. Mais aussi, Capcom a annoncé deux nouveaux décors. Le décor de la Nouvelle-Zélande et le décor du Brésil. D'après Yoshinori Ono, le Brésil veut dire un personnage brésilien. D'après vous, qui ça peut bien être, ce personnage brésilien? J'espère que c'est pas Elena. Elena, elle est pas brésilienne. Elle est africaine, Elena. Elle est kenyane même. Ouais. Alors d'après vous, qui ça peut bien être? Sean, Oro, Blanca, nouveau personnage? Blanca, je pense pas. C'est mort. C'est trop évident. Il arrive en cosplay de Blanca, il y a 10 000 Blanca devant la tête, Brésil, Blanca. Ça serait trop évident. Soit Oro, soit Sean, moi, je pense. Ouais, le Mosque Sean, Oro, ou un nouveau perso brésilien, qui sait, Maradona. Ouais. Ou un nouveau personnage brésilien, effectivement. Ouais. Même s'il est argentin, c'est pas grave. Ah, j'ai. D'accord, et qu'est-ce que vous attendez le plus pour Street Fighter V? Viper, Zangief, les nouveaux persos. Moi j'aimerais bien voir des persos d'Alpha en fait, genre Karin, Ermika. Des persos d'Alpha 3 ou Ermika, Karin, il y avait qui sympa aussi Et Juni et Julie. Non, ça va. Ouais. Oh non, les deux cartes, c'est bon, stop. Et qui d'autre encore Les nouveaux persos. Ouais, peut-être qu'effectivement le personnage brésilien sera un nouveau personnage, qui sait. Étant donné qu'il sera officiellement annoncé en octobre. Alors le problème, c'est que c'est en octobre, c'est dans super longtemps. Ouais. Mais il n'y aura pas d'annonce à l'Evo. Alors justement. Ah oui, ouais. À l'Evo, c'est sûr, il y aura une annonce, sûr et certain. Hein, pour même pas se prendre la tête. Et peut-être à la Comic-Con aussi. La Comic Con qui a le week-end, c'est le 9, 10 et 11, je crois, c'est 3 jours d'affilée autour du 8, du 9. C'est demain. Ouais.
Voilà. Donc voilà, donc peut-être qu'il y aura de nouvelles annonces entre temps, mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'Evo, il y aura quelque chose sûr et certain. Je suis prêt à mettre ma main à couper. Je suis prêt à mettre mon stick à couper. Donc ouais. Voilà. Donc ben ça veut voilà. Dire que, ça veut dire ouais. Que à la version de l'Evo, là, on aura peut-être les persos en plus, là. Qui sait, peut-être après, dans la bêta. On sait pas. Parce que pour l'instant, ils disent que dans la bêta, il y aura que 6 persos. Ouais. Et ils disent qu'il n'y en aura pas plus. Mais c'est ce qu'ils disent pour l'instant. Après. Alors, je préfère déjà vous prévenir, si vous avez une clé bêta, lorsque vous allez commencer cette bêta, vous n'aurez que 4 personnages. Oui, c'est vrai. Vous aurez. Pourquoi parce que Capcom veut tester son. Online, je crois. Un truc comme non, ça. Il veut tester, si tu veux, le téléchargement de DLC, entre guillemets. Son nouveau système qui fait que automatiquement, ton jeu télécharge les DLC. Ah, sans donc, que tu. Voilà, sans que. Un peu comme Killer Instinct, si tu préfères. Donc tu vas avoir tes 4 persos et le 2 jours plus tard t'auras Birdie et Camille automatiquement dans ta d'accord. Version d'accord ah oui mais t'auras ouais. Quand même tous les persos disponibles ah bien sûr ok ouais. Ok ok donc voilà en tout cas c'est dans 2 semaines la bêta hop, croisons ouais. Les doigts pour avoir des clés donc voilà c'est sur ce que nous allons terminer ce numéro de On en parle ou pas mais avant tout ça quelles sont vos actualités messieurs Wool Tupa, qu'est-ce que tu pars à l'Evo ? Et toi, Conquister, oui, est-ce que tu vas à l'Evo ? Je pars avec Kyungunae. Ouh là là ! Bonne chance à vous deux, les gars ! Bonne chance voilà. À vous deux ! Donc, okay. Je ne serai pas dans la prochaine émission. Ouais. Mais dans quel jeu ? Street 4, moi seulement, et Kyung, il va faire MK. Ouais, MK, Guilty et Street 4. Mortal ouais. Kombat. Yes. Et ça, vous vous sentez prêts, les gars ? Pour Street 4, ouais, mais ça va être chaud là, on est un peu 2200 quelque chose. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, déjà, ceux qui vont arriver dans le top 8, ouais, c'est bon, c'est, même top c'est... 32, déjà, c'est pas mal. C'est franchement violent, truc hein. De ouf, ouais, carrément. Ouais. En tout cas, bonne chance, les gars. Bonne chance, on est chance, gars, tout ouais. Avec vous. C'est on clair, vous suivra de la France. Va falloir s'en prier. Bon, bah ouais. Voilà, salut à tous et à la semaine prochaine. Ciao, salut. Ciao. Ciao.